Salut peuple! Bien quoi? Comment tu vas? Aujourd'hui, on va tester des nouveaux paramètres. Donc c'est un peu bleu et tout, peut-être que c'est nul, vous me dites si c'est nul, on le refera plus. Nouveau micro, c'est-à-dire que là... Oh! Ça sature un peu moins, mais ça sature toujours. Waouh! 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 Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça a l'air pas mal. Bonjour à tous, alors... J'aimerais commencer cette vidéo en vous disant que je suis grave content de vous revoir. Que j'ai pas encore eu le temps de faire la ranquade en vélo. Mais ça va venir. Là, je vais partir en vacances à Dubaï dès demain. Je prends l'avion. L'avion! Putain, je suis con quoi. J'ai un cerveau, il est détraqué. Et je vais essayer de vlogger là-bas. Ce serait cool. Si je vlogue pas, insultez-moi. Alors, je suis très peu actif sur les réseaux en ce moment. J'aimerais vous faire une intro avant de commencer la vidéo Reddit et vous parler de plusieurs choses. Je suis moins actif en ce moment, tout simplement. Maintenant, j'assume, c'est bon. Je pense que je vais bientôt arrêter CSGO, c'est qu'une question de moi. Mais je ferai toujours les reacts, c'est-à-dire Reddit. Je note vos clips, les case opening, mais je vais arrêter de jouer. C'est pas encore dit, c'est pas encore fait. Pour l'instant, je joue encore un peu. Mais je vais plutôt sur ma chaîne Twitch me rediriger vers le casino et la musique. Oui, ROK sera présent. Va prendre de la présence désormais sur cette chaîne, sur ces chaînes. Car oui, il y a trois chaînes en effet. Mais il sera plus sur Roknar et ROK. Bref, voilà ce que je voulais vous dire. J'assume que c'est bientôt la fin de CSGO. Et je pense qu'il faut s'en douter. Un jour, CSGO va mourir. Enfin, soit il va se faire manger, soit il va renaître. Et quand il va renaître, je serai le premier à revenir. Sachez-le. Bon, autre chose. Ce week-end, on était avec Pimous à Paris et on a fait l'événement Cœur de Gamer qui réunissait des fonds pour le site d'action. Et j'ai réuni 8000 euros, dont 6000 de la poche de Bidule. Pourquoi 6000, me dites-vous? Il est généreux. Parce que j'avais un donation goal à 7500 euros, c'était de déchirer mon Dracaufeu VMAX Phantom, qui est une de mes cartes maîtresses, que je unbox dans une vidéo à 300 000 vues sur ma chaîne secondaire. J'ai des doutes sur ses intentions, le Boug, hein. Pour la charité ou pour me voir souffrir? Ouais. C'est l'heure de la vie de Reddit comme tous les mois. C'est l'heure de la vie de Reddit comme... Samuel, cancel my inch in the rear of a grenade on my road. Ouais, je sais, je parle bien anglais. Voyons voir. Non. C'est possible? Impossible. Non. Ah! Non, elle a été détruite carrément? En vrai, c'est logique. En vrai, ça paraît logique. Non, en vrai, il a réussi à la mettre et c'est juste que... On dirait vraiment qu'elle s'est fait détruire. Vraiment, c'est parfait. Le clip est parfait. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Oh, pas mal ce skin. Pas mal. C'est marrant parce que c'est très drôle. Donc ça me fait rire. Vous aimez cette phrase? Non, c'est marrant parce que je viens de commencer une série aujourd'hui. J'ai regardé que l'épisode 1, ça s'appelle... Ça s'appelle Les Irréguliers de Baker Street. Et vraiment, dans le premier épisode, le méchant, il est similaire. Donc là, j'ai l'impression que... On est en train de me tendre un piège. Est-ce que je serais dans un film? Non. Ça va. Bon, c'est juste une info comme ça qu'on vous balance que mais même si on s'en bat les couilles, c'est que Dust2, Inferno et Vertigo ont fêté leurs 20 ans. C'est-à-dire que ces maps sont plus riches que 95% d'entre vous. D'ailleurs, c'est quoi votre âge en vrai? Je me demande. On me demande souvent, c'est quoi l'âge de ma communauté? Et moi, je réponds toujours entre 18 et 24 ans. Alors que je sais pas, il y a peut-être des gens plus jeunes parmi vous et je sais que la porte, elle doit vous stresser en vrai. Putain, les mecs qui s'habillent en Roknar.shop sont vraiment les plus frais. So out of the day is knowing how to aim plan side. Kemna Nikon. Okay, yeah. Donc, gros, personne ne va le voir. Come in up now. Ouais, abusez cette pause. Side. En plus, elle est pas facile à atteindre. Oh yeah. Toi. Yeah, that boys. Ah ouais, sa petite pue en plus. Faut obligatoirement faire un strafe aérien pour atteindre cette position, je trouve ça assez fort. En plus, bon aim, fluide. Par contre, le mec qui avait la bombe, il est con. Hein. Il est con. Ouais, il est con, ouais, c'est tout. Ouh, putain, je suis désolé, j'avais demandé à des gens de me faire des artistes, de me faire des dessins et tout. J'ai reçu tellement de DM que je m'en suis pas occupé. Mais vous avez été vraiment trop nombreux à m'envoyer des bails en fait. Le problème, c'est que j'ai demandé sur Instagram et que sur Instagram, je lis pas trop mes DM. Donc si vous voulez vraiment le faire, il faut m'envoyer un mail à cette adresse mail. Cette adresse mail, je paye. Moi, ce que j'aimerais en fait, c'est une représentation de mon trickshot sur Nuke, celui-là. En dessin. Et ce serait incroyable, genre je pense que je l'accrocherais genre là ou là, ça peut être pas mal. Et là du coup on a pareil mais avec Inferno. J'ai fait un nouveau skin Vogue pour la WAP après avoir vu comment la popularité du Glock. Qu'est-ce que vous préférez? Ouais c'est sympa mais... Non c'est sympa. Après bon le skin Vogue est sympa de base et les gens qui font des skins dans la communauté font toujours des skins incroyables. Bon les prochains skins arriveront dans... pas avant la fin de l'opération déjà c'est sûr. C'est arrivé la nuit dernière. Qu'est-ce qui s'est passé mon ami dis-moi? Non...
En vrai, c'est une dinguerie. Ok, on est d'accord, c'est une dinguerie. Mais quand je suis sur Reddit, je m'attends au meilleur clip du mois. C'est-à-dire sur le nombre de joueurs CSGO dans le mois, des millions. Je m'attends à plus de folie. Les gars, faites plus de trickshots là. Y'a que moi qui tente des trickshots dans ce monde et ça commence à m'énerver. Les nouveaux stickers de l'update, incroyable. Ah oui, on l'a vu ça. On l'a vu passer. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait un peu de rigolade. Mais bon, comme l'a dit le collègue, l'ami, le frère Malek CSGO, Valorant est en train de graille CS et CS n'a pas besoin que l'éditeur l'aide plus que ça pour qu'il reste au top. Donc l'éditeur s'en bat les couilles de CSGO. C'est en train de devenir un jeu casu. Les pros se barrent sur Valorant. Et donc voilà, ça c'est la preuve qu'ils nous chient vraiment dessus, quoi. Ils aiment bien. Envie de chier partout. Insane Mirage Flap for B-Sides. Yes, un tuto, j'adore ça. Tu te mets dans le coin, tu vises à droite de la tâche. Ah non, il y a une tâche là. Il y a un point. Il a été fait pour, carrément. Ok. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est fort. C'est safe, c'est cool, c'est fort. Genre, si tu joues à deux, il y a moyen de faire des choses fortes avec ça. C'est gratuit pour vous, les gars. Très facile à apprendre. Bref, on va passer au clip qu'ils ont plus de 7000 upvotes maintenant. On va monter le niveau entre 7000 et 8500. Une heure d'Overwatch case en 45 secondes. Intéressant, ça. Ok, donc on voit son aimbot directement. Y'a déjà aucun doute, on voit très bien son aimbot. Bon, ici on voit le spin. Hop, spinbot. Comment tu fais que tu peux quantifier une heure d'Overwatch? Non, c'est incroyable. Là, moi en ce moment je fais plus trop de vidéos Overwatch sur la deuxième chaîne parce qu'à chaque fois que je lance un Overwatch, je tombe sur un mec qui spinbot ou qui tire direct à travers le mur. Genre, c'est pas marrant. One way Molotov sur Nuke pour retake. Intéressant. Toujours le même mec qui fait les tutos sur Reddit, hein, Steve Von Blood. Et il fait sa petite pub en plus. Tu vises le coin du panneau, au-dessus des gants. Ouais. Ah oui. Ok, non mais franchement, insane. Tu le fais une fois dans le round, tu casses tout le monde et puis voilà. USP Guardian IRL, Airsoft. Oh, ça tue. J'ai fait de l'Airsoft une fois dans ma vie et c'était très dur, hein. Vraiment, si t'es bon à CSGO, tu seras pas forcément bon à l'Airsoft. Faut être bon au cardio. C'est pas trop mon cas. L'expérience Vertigo. J'ai même pas fait de tuto wallbang sur ça. Ils vont tuer combien? Oh non, mais c'est honteux. Oh non, non, il va faire un ace en plus. Laissez-le. Ça franchement tu me l'envoies en clip à noter. Je te mets un 10. Double à travers le mur et ensuite il nique. C'est un 10. Connaissance de jeu, talent, chance, il y a tout. Tout est là. C'est la recette pour être le meilleur joueur du monde. La bagarre des titans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Ça j'aime bien. Loupez-vous encore? Ah non, il l'a eu au final. En même temps, vous l'avez mis au ralenti pour faire bien durer le cringe. C'était quand même FaZe contre Mousse. Et c'est qui les deux joueurs? C'est Accor et Broky. Ok. Putain, je connais même pas. Ok, les clips jusqu'à 8500 upvotes sont faits. Nous allons passer aux clips jusqu'à 10 000 upvotes. Pour ensuite faire les meilleurs clips au-dessus de 10 000 upvotes. Et je peux vous dire qu'il y en a 7. C'est-à-dire que là, on est dans la partie où ça chauffe normalement. Attention, j'ai déjà été déçu. Quand tu loupes une smoke, mais Gabon has your back. Là, t'as compris. J'ai pas compris. Ah oui, non, j'ai compris, ça y est. Ah oui, j'ai compris, ok, ça smoke, elle a rebondi dans le mur, puis dans le pilier pour arriver bien. D'accord. Cloud9 to end its CS project, non. C'est-à-dire que Cloud9, c'est terminé? Bon, je vais pas tout lire, mais visiblement, selon source française, Cloud9 arrête avec CS. Je le savais même pas, et c'était il y a une semaine qu'il repose en pièces, du coup. La vie continue, hein. Putain, je suis triste, sérieux, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer surtout parce que les lumières, elles vont méga fort dans ma gueule. La WAP de Nexa s'appelle Drop to Ken No Wait. Quoi? Je comprends pas. C'est qui Ken? Drop à Nekfeu? Je comprends pas trop la vanne là, les gars, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, vous m'expliquerez. En plus, c'est un français, non, si je me trompe pas. Peut-être que je suis en train de dire une énorme connerie. Ce bug a plus d'un an. Valve, are you serious? Petit accent anglais, are you serious? Ça va être une vanne, c'est sûr, ça va être une vanne. C'est quoi le bug? Non. Quoi? Ah oui, d'accord, je comprends. Donc la smoke est coupée carrément. Coupée pour en haut, mais pas pour en bas. Attention, ne le faites pas. Hein. Ça, c'est du glitch abuse. Je vous déconseille de le faire, à moins que vous soyez une merde. Ah, on dit les termes ici. Dû aux événements récents, Zeus Asimov, $50. Zeus Redline, $100. Zeus Frontside Mystis, $75. En vrai, non, c'est trop mal intégré, mais Zeus. Ouais, le prix est justifié. Hein. Imagine, on fait d'un skin une version unique dans le jeu. Ça veut dire qu'il y en a qu'un dans le jeu. Combien il coûterait? Un peu comme un Pokémon Illustrator. Ce serait incroyable. Ou bien, imagine, on fait 10 skins, ou bien 12 skins en 2022, et chaque mois, il y a un de ces 12 skins qui disparaît. Du coup, les autres, ils prennent de la valeur, et le dernier des 12... Ce serait pas une idée de fou, ça? Pour faire des skins qui valent plusieurs millions de dollars, Valve. Eh, vous les donnez gratuitement, ils vaudront déjà 5000. C'est mon idée pour que Valve s'enrichisse. Plus qu'ils ne le sont déjà. Engagez-moi en tant que marketinger. Sneak 100. Ok, il est 1v2. Il lance là, ouais. Pourquoi? Pour pas qu'il la récup, ok, mais t'es au P2, ouais. Énorme timing.
Et timing colossal. Genre le mec a check mais il n'a pas vu. Oh là là, oh c'est grave. Oh là là, il va jamais tirer comme ça. Ça c'est un gamer ça. C'est un fantôme le gars en fait. C'est un putain de fantôme. Il a réussi à poser et à attendre tout le temps de la bomba sans que les autres ne le voient. Un génie, c'est un génie. Skyrim Fit CSGO, c'est là. Ok les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez apprécier. Il reste seulement 7 clips, mais c'est les 7 meilleurs. Et dans ces 7 clips, il y a 6 vidéos. 6 vidéos, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et une discussion e-sport qu'on ne regardera peut-être pas. 10 000 upvotes, POV of getting vent opt. Vent opt, je comprends pas. Ah oui, ça, ça là. Oh c'est trop, c'est trop. Je savais même pas qu'on pouvait le faire en de la manière qu'il l'a fait quoi. Le mec il s'attend à quelque chose de normal. Oh c'est trop grave, c'est trop grave. J'aimerais trop pouvoir faire ça. En vrai c'est de la chance de fou d'avoir le bon timing pour réussir ça. À ce jour, il y a 2 ans, Valve a remplacé Cobble par Vertigo. Est-ce que Valve devrait ramener la bonne vieille Cobble? Ma réponse est sans appel. Oui, 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 sans attendre. Ils font quoi? C'est ce que je veux depuis 10 ans. C'est tellement triste, c'était la meilleure map, c'est tout. On s'amusait trop avec la salle dessus, c'est là-dessus qu'on a fait nos meilleures conneries, nos meilleurs best-of, c'est tout. Quand t'as besoin de drop et que ton mate est un très bon type, ok. Pourquoi? Pourquoi l'arme elle a décollé comme ça? Mais c'est pas normal. Lui, même lui son pistol, qu'est-ce qui lui arrive? Le truc, le SG, quel est le poids du SG? On va dire que le SG il pèse 16 kilos. 16 kilos, c'est genre le poids de la chaise. C'est le poids de la trottinette. La trottinette pèse 12,5 kilos. Imagine, ouais bon je pense que le SG il pèse peut-être moins lourd. Imagine une balle qui va assez fort pour ne pas casser l'arme, mais peut la projeter aussi haut. C'est impossible, il faut casser l'arme maintenant. Valve, écoutez-moi bien, hein. Vous voulez relancer votre jeu? Faites en sorte qu'on puisse casser les armes en tirant dedans. C'est logique en plus. Je sais pas, avec un sniper tu tires dans un pistolet, tu fracasses le pistolet. Putain mais il est où le réalisme dans ce jeu? C'est nul, sérieux. Cette nouvelle flash de fou. Voyons voir. Ah ouais, elle est pas mal. Le mec s'est baisé, c'est complètement baisé. Je m'attendais à rien. En même temps, ta flash fait un effort, lance-la en sautant au moins. Tu loupes tous les tirs que tu ne tentes pas. C'est vrai. Il va mettre le wallbang. Incroyable. Incroyable, il y a RAS. Ce wallbang là, c'est un wallbang tellement collector, c'est tellement rare de le rentrer, c'est tellement incroyable, improbable, tout ce que tu veux. Je bande. Je comprends qu'il soit troisième. I got palace bro. Ça veut dire j'ai le palace frère en anglais pour ceux qui sont pas anglophones. C'est bien beau de mettre le tableau en bas, de mettre le net graph, de nettoyer sa zone en haut, mais ça sert à rien. Faut arrêter maintenant. Ça, tu le remets en haut, tu fais pas chier. Hein. Le net graph, tu l'enlèves. Arrête, ça sert à rien. Mettre le net graph ne va pas augmenter tes capacités. Ça va juste te faire chier. En plus, c'est un affichage inutile qui bouffe du visuel pour rien. Je trouve, je n'ai jamais compris les gens qui laissaient le net graph tout le temps actif. C'est incompréhensible. Alors, le top 1, les gars, le top 1. Déjà, je suis déçu que le top 2, c'était ça. C'est un clip qui s'appelle Normal Matchmaking Warm-up, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Pronostic. Moi je dirais que c'est un bug, ou bien je dirais qu'il y a plusieurs mecs qui peuvent spawn en face de lui. On va voir. Ah ouais, non. Ah oui. Oh, il l'a tué. Il l'a tué. Ah, c'était impossible de le deviner ça du coup. Comment ils se sont regardés amoureusement, c'est mignon. Mais la Hagra derrière. Ça, c'est le résumé de ma vie amoureuse. Peuple, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Le Reddit CSGO était très agréable à regarder. Le 4 avril, vous savez ce qu'il y a? Le 4 avril à 17h, le clip de la Porsche ou la rue sortira sur la chaîne YouTube ROK. Peut-être qu'il est sorti hein, au moment où cette vidéo sort. Un extrait, s'il vous plaît. Depuis petit, ton papa me dit l'école ou la rue. Mais depuis peu, cerveau me dit la thune ou la vie. Je fais un branco, je prends 3 salauds. Le bus sous la bruit, philosophie des incongrus. La Porsche ou la rue, la Porsche ou la rue, la Porsche ou la rue. Voilà, donc allez-y, le lien il est en description. C'est franchement le truc que moi et ROK nous avons le plus aimé faire le plus professionnellement dans notre vie parlant. C'était dur à dire cette phrase, mais je pense que vous avez compris et que là je vais vous laisser. Je pense que vous devez vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, c'est con. En vrai. Ok, bon bisous, hein. Bah moi je me barre, je vais pas faire une intro de fou. Juste... Je vais au Carrefour. J'ai vu ton baron et hier il m'a demandé une photo. Mais comme je suis un bon gars, je lui ai proposé un resto.